Alors, si vous connaissez Manon, vous savez que Manon et ses blagues, c'est toujours très très nul. Donc attendez, elle me dit qu'elle a une blague. Vas-y, t'as une blague? C'était pas moi. C'est ça? Ça s'arrête là? C'est la fin de la blague. Yo tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très très bien. On se retrouve chez moi à la maison. Il est 13h et on est en train de finaliser la première vidéo parce que bon, il n'est pas encore vraiment très bien rodé pour les uploads et tout ça. Et je suis en train d'aider Manon à faire sa vidéo. Je trouve pour le coup que je me suis bien démerdé. Non? Je trouve que vraiment pour le coup c'est... fabuleux. C'est fabuleux, j'aime beaucoup, ouais. 14h29, écoutez. Petit truc qui vient d'arriver à Lyon, révolutionnaire, ça fait une semaine et demie, deux semaines que c'est arrivé. Uber Eats, c'était grave, grave, grave longtemps que c'est à Paris, je crois, ça fait peut-être même, je pense, peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois que c'est à Paris. Et ça vient d'arriver à Lyon, donc du coup, aujourd'hui, on teste pizza à 3h13, ça arrive à la maison 3h13, et petit sushi pour Manon, et ensuite, on va partir en ville tranquillement. Ça arrive. Midi, goûter. Oh, pas dégueu. J'ai ma pizza. À ton couscous, j'ai ma pizza. Ah, le feu. What the... C'est quoi ça en fait? Mais si t'as redonné la vue, il t'a fait muer quand t'as rage et tes sourds, il avait redonné la vue. Oh là en fait c'est ma maison en fait, mais c'est dame, c'est là que j'habite. Ils sont jolis ça. C'est les deux qui vont. Ils sont jolis. C'est l'avant-gardiste. C'est l'avant-gardiste. Ouais. Ouais c'est un peu d'autre quoi. C'est pas bon ça. Il va manger au resto, ouais, 8. C'est impossible. 8, ça va faire des lumières. Et c'est également. Qu'est-ce que c'est? Anniversaire, donc un an. Donc on sera ensemble le 8. Et ça tombe pile poil le premier jour des fêtes des lumières. Donc du coup, ça fait un petit peu tendu, je pense. 2 degrés. Donc il fait très très froid. Et on s'apprête à aller marcher un petit peu en ville parce que là, les lumières sont juste super belles. Genre, enfin, les couleurs sont. Les couleurs sont super belles. Je sais pas ce que c'est, ça les venez si vous connaissez, mais j'ai l'impression que c'est pour comment ça s'appelle, pour la fête des lumières. Si vous connaissez pas, les gens qui sont hors de Lyon, la fête des lumières c'est un moment qui à Lyon qui est le plus attendu, qui réunit la moitié de la planète. Hein. Il y a la moitié de la planète concrètement à Lyon, c'est le bordel dans tous les sens pendant 3 jours, tu peux pas circuler. Et j'ai bien l'impression que ça c'est commence à la tête déco et que ça fait une grosse déco pour une lumière qui va faire un truc comme ça, je sais pas. Bref, si vous en savez un petit peu plus, dites-moi, mais moi je suis pas trop au jeu. Putain les gars, je sais même pas ce que je veux en plus, c'est ça qui est pire. Je sais pas ce que je veux. Le 7, bon c'est les gros et Sony ça me classe pas trop. Ou alors peut-être partir sur un Sony comme ça. Le 10, le petit là, enfin je sais pas. Enfin, le petit là c'est celui qui est là. Ouais. Donc, du coup je sais pas tout sur quoi partir. Ça m'énerve. Enfin, je ferai une vidéo comme ça, je vous demanderai un petit peu votre avis parce que fin du mois du coup pour Noël. Je vais voir pour trouver une nouvelle caméra, mais du coup je sais pas sur quoi partir. Si je pars sur un truc comme ça, bon, pas non plus comme ça, ou alors sur un gros truc. Donc je pèse le pour et le contre. Mais le mieux je pense,
celui-là. Le top du top, ce serait ça. Celui-là est un peu. Ce Leica. Leica, mais bon. Leica, c'est super bien, mais après, niveau vidéo, je sais pas ce que ça donne vraiment. Je sais que j'ai vu plein de vlogueurs filmer, enfin plein de vlogueurs, quelques vlogueurs filmés au Leica. Et c'est assez ouf. Je sais pas trop. Je vais voir. Et bon, vous savez que ce Sony-là est cool. Ou alors partir sur une petite caméra compacte. Je verrai, je vous ferai une vidéo spéciale, je pense, de ce mois-ci, là, pendant ce mois de vlog. On verra bien. Également, je suis parti également sur ça. Ça, vraiment, pour le coup. Bon, une fois, ce sera déjà la caméra. Hein, caméra plus ça. D'accord ? Merci. Ça doit être ouais, cher, hein. J'ai envie. Ouais. Puis avoir une vue, ça va être incroyable. T'as pas envie? Elle a peur. Non, j'ai pas peur. T'as peur, tu viens de le dire? Non, t'as pas quoi? T'as peur que ça tombe? T'as peur que ça tombe? Ça ne va pas tomber. Ah, il y a la maison là-bas. De quoi? Là-bas? Ouais. Attends, t'as peur de quoi? Mais non, t'inquiète. Oh, on arrive au haut là. On est en haut. Allez, ouvre les yeux. Mais si, ouvre les yeux. Mais si. C'est magnifique. T'en fais pas. Ça va aller. Regarde, on tourne. Mais tout va bien. Tu arrêtes. Tout va bien. Je fais rien. Je fais rien. Ne panique pas. Tranquille, c'est bon. Ok? Regarde-moi. Non. Si, ça va. Non, ça va aller, c'est bon. T'en fais pas. Ils font exprès de l'arrêter ici comme ça. Enfin, je crois. J'ai vu il y a pas longtemps sur, je crois, sur 20 minutes, que c'était à Amiens. Ils avaient bloqué. Il y en a une qui était bloquée comme ça pendant 3 heures. Du coup, ça arrête, fait. Thomas, s'il te plaît, je rigole pas là. 10 euros bien rentabilisé du coup. Bon, on est bien quoi. Ici, on est cool. On est bien. Viens, viens contre non. Moi. Viens contre moi. Non. Ça sert à quoi de causer comme ça là? On dirait. Un ours sur son arbre, ça repart tranquillement, c'est normal. J'aime pas. Putain. Allez. Non. Mais si, oh là là, quoi, c'est beau, c'est magique. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. De quoi ta gueule? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau là, tu ferais mieux de prendre là. Hein. Là-dedans? Ouais, je prends là-bas, c'est beau. Ah, c'est trop beau. Tu détestes? Pourquoi? T'aimes pas? C'est trop beau, c'est trop trop beau. C'est la plus belle vue que tu peux avoir de Lyon en ce moment. C'est ici, c'est la grande rue. Et là c'est fini, voilà. 18 euros. Pas cher hein. On aime. Ah, on repart. Ah, on repart encore une fois. Ah, on repart, d'accord. Ah, super. Ah bah c'est parti hein. Mais Thomas on est penché là, regarde. Mais on n'est pas penché. Bah si. Mais non, arrête. Ah bah voilà, je me disais bien. Vu qu'on est seul en fait sur la roue, la grande roue. Ils ont bloqué la roue pour nous. Voilà, on est au top. C'est tellement beau, regardez vraiment pour le coup. Je suis succulé. J'adore, moi qui adore les belles vues comme ça. Ça me cire le cul. J'aime beaucoup. Ah si, elles sont cool. Celle-là? Ah, elles sont cool. En fait, je vous explique grossièrement, Manon va recevoir des lunettes. Et en fait, elle les a jamais mis sur le nez en fait. Et là, on est allé dans la marque Jimmy Ferry du coup. Et on s'est rendu compte qu'en fait, celle qu'elle va recevoir, lui va pas vraiment en fait. C'est ça? Ça lui va pas super super. Ce que j'ai sur le nez, c'était celle qu'il va recevoir. C'était pas super sur elle. Sur moi, ça rendait presque mieux. Donc bon, dommage. Je déconne. J'ai pas de barre et tout. Je l'ai pas dit. Et quand on est descendu de la roue, de la grande roue, en descendant, vu qu'il était super beau et qu'il faisait plus ou moins nuit, je me suis amusé avec la longue expo sur mon petit G7X. C'était pas dégueu, je mets une petite photo juste ici. Enfin, mais 2-3
Et ces photos, je les ai fait avec une exposition de entre 1 et 5 secondes, 6 secondes, je crois, maximum. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est pas vraiment dégueulasse. Donc, je suis assez content. Voilà. Ouais. Alors, je vous parle, le premier vlog est sorti à 7h30 aujourd'hui. Je suis sorti un petit peu là rapidement, on va dire, plus tôt. Parce que j'ai pas fait exprès en fait. Donc, écoutez, je pense qu'un truc qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lire les commentaires vite fait de la première vidéo. Le mec il a attendu décembre pour faire ça et c'est pas par hasard le mois de décembre. Ça paye super bien les vidéos, d'autant que tes vidéos n'ont aucun contenu à part nous montrer. Excuse-moi, pas le temps. Allô, parce que je suis en train de tourner la fin de ma vidéo et je lisais les commentaires de ma vidéo là, tu vois, et j'ai eu un petit un haineux, je pense. Eh ben écoute, le message lui fait, eh ben c'est vrai. C'est quoi le bêtise là? C'était la réponse pour le mieux. Daily Vlog, hormis quelques commentaires constructifs dans les premiers vlogs, prépare-toi à te faire massacrer dans certains commentaires, ah, mais bon, c'est un super challenge, je te soutiens. Bah écoute, oui, c'est très simple. On est sur YouTube, on est en 2016, les gens ont une profonde haine en eux, donc qu'ils doivent dégager le plus facilement possible, donc du coup, l'ordinateur, hein, voilà. Et bon, demain, je dis comme quoi je pars un an au fond du monde faire de l'humanitaire, les gens vont dire comme quoi je fais ça pour les vues, donc du coup, voilà, c'est YouTube, on ne prend pas compte. T'en fous, la haine des gens, ça passe au-dessus. Je suis pas là pour me taper, moi. Je kiffe. Très bien, la fin, mortel, le nagnoul, en dessous du stade. Là, on va se calmer, juste épique. Pendant tout le vlog, j'étais en mode, t'es chelou un peu, tu veux un calendrier de mec torse nu, tu m'expliques. Mais j'avoue que quand j'ai vu cette fin de génie, j'étais estomaqué. C'est vrai que j'avais bien aimé ça. Avant de finir ce vlog, faut simplement vous dire que, vu que je me lance dans les daily vlogs, c'est un truc qui me fait kiffer pendant ce mois, j'ai envie de vous faire partager le maximum de choses. Je voulais simplement clarifier les choses avant de commencer vraiment. Tout ce que je vais vous montrer ce mois-ci, ça sera ma vie à moi, ça sera ma vie sans filtre, sans rien, comme je fais depuis le début. Mais là pour le coup, voilà, en plus ça sera vraiment des choses banales, on va dire, mais que je vous ferai partager à travers mes yeux, à travers moi, à travers mes amis, à travers ma famille, à travers mes proches. Donc voilà, je veux que vous compreniez ça un minimum. Et que même si des fois, bah voilà, il y a des jours où bah, il y aura moins de contenu, je vais pas m'acheter un billet pour aller à Los Angeles pour faire du contenu. Enfin non, des fois il y aura des journées avec un petit peu moins de contenu. Mais ça sera à moi en fait, clairement, ce sera à moi de monter les choses, de monter les choses différemment, d'avoir un différent point de vue. Donc du coup, je veux vous sachiez. Seul le truc, c'est que à partir du 22 ou 23, j'ai monté en famille en Haute-Savoie. Ma mère a 2 mégas de co. Donc sur ce, je vous laisse. Salut! Je suis fier.